Yo tout le monde, c'est une collection pour une vidéo. Pour la collection, la dernière collection de les 30 équipes de la LNH, les Penguins de Pittsburgh. Donc, Sidney Crosby qui coûte 600 000, Malkin environ 300 000, aux alentours de 100 000 pour Kessel, Le Temps 15 000. Et Fleury 12 000. Donc c'est quand même une équipe qui coûte c'est l'équipe qui coûte sûrement le plus cher, je me trompe pas. Et donc elle donne 11 packs. Et on va ouvrir les 11. On en profite là, les Movember, c'est la dernière semaine des Movember avec les Stamkos, Ovechkin pis tout. Fait que ça serait tellement bon, pas une cote bon. Wow, ok, Justin Doublecater sort de la semaine. What the fuck. Ok, on rentre dans le bal. On rentre dans le bal. Justin Doublecater, stole de la semaine. J'ai jamais ça pogné un Ovechkin Movember. Mais bon. Mike Smith, que je vais garder. Chandail, là, je vais le garder, on sait jamais. Et on a pogné le père à piquer Subban. Bon. On va y aller avec celle-là. Je sais que là je me ferme les yeux, ça sert à rien pour vrai là. On passe l'animation. André Palat, puis Mueller. Pas grand chose. On va garder chandail de Colorado. Même je n'ai pas besoin parce qu'on a fini tous les alignements maintenant. Ben plutôt toutes les collections des alignements, pas vraiment là, mais. On rouvre le pack. On veut pogner un Movember de fou là. Tu sais, un Movember qu'on sait qui va rester dans notre équipe pour toujours. Mais là, David Perron, Kalinin, Fiddler, 500 pièces. Pas grand chose. Ah bon. On se craque les doigts. Ah, s'il vous plaît. Mark Story Boucher. Ah, my God. Mark Story, on va garder les chandails. Ah. Pas attraper tout. Bon. On veut un Movember. Pour info, non, laissez faire. J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Puis, ça n'a aucun. complètement aucun rapport. Il doit être grand, lui, ouais. Je pense qu'on a pogné beaucoup. Bah, pas je pense. On a pogné beaucoup de bonus 500 pièces. Je pense que c'est genre le 3-4ème qu'on pogne. Ça serait mieux un 2000 pièces. Mais bon, 500 pièces quand même. Bon, on passe l'animation. John Scott, waouh! Il a juste dit, encore bonus à 500 pièces. Il a seulement 10 sur le market. 93 de mise en échec. Waouh! Bon. Oh my god. Et la prochaine vidéo, je sais même pas quand je vais sortir celle-là. Encore Pearson, mais là, Mark Saul, j'ai pensé pendant un instant que c'était Eric Carson. Mais non, pas du tout. oui, je sais pas quand je vais sortir la vidéo, mais sinon, il va y avoir un team update bientôt. Fait que c'est ça. On peut le garder, on sait jamais. Joel Ward, le score de 60 buts pour ceux qui connaissent pas très bien le hockey. L'avant-dernier pack. Bon. On rentre dans les choses sérieuses, désormais. Et on veut pas dire quoi de bon, là. Même si on a pas eu un sort de la semaine, j'ai pensé que Wagner, c'était un petit Ryan Getzlaf. J'ai déjà Corey Perry. Mais là, Getzlaf, ouf. Même, je sais pas, je l'aurais fait jouer pour vrai. Je sais pas. Et le dernier pack de la collection ever, on pogne Mark Stone et il a encore le score de 60 buts. Donc, à part Doublecater, qui n'a aucune chance de faire mon alignement. On a rien pogné. Fait que c'est ça. Je sais pas. Non, je vais pas vous montrer parce que sinon ça va scraper le team update. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé toutes les collections sur NHL Style. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. Que je n'ai fait beaucoup en très peu de temps. Mais c'est pour le bien. Puis ça fait plus de contenu sur la chaîne pour. Dans un futur, quand de nouvelles personnes vont s'abonner à la chaîne, ils voudront regarder le plus de vidéos possible. Donc, 30 vidéos.
je pense que j'ai sorti 50 vidéos à date sur NHL 16, puis il y en a 30 ces collections. C'est quand même fou. Mais bon, donc je vous dis ciao à tout le monde et à la prochaine.